L'autre jour, là, on est allé au resto avec des copains de foot, là, avec Denis, quoi, parce que, bon, il voulait fêter ses 20 ans de chômage en bonne compagnie. Donc on va au resto du coin, là, et puis donc chacun bouffe ce qu'il veut, quoi. Puis bon, Denis, comme il avait la dalle, il s'est pris un tagine de couscous, là, une connerie dans le genre, quoi. La soirée se passe bien et tout, chacun rentre chez soi, quoi. Hein, bon, et puis Denis, le lendemain matin, avec ce qu'il avait bouffé la veille, il voulait aller se vider le colonarium. Non, pas le truc qu'il a dans son salon, là, avec la lampe UV, non, il voulait chier, quoi. Voilà. Et puis, il devait avoir un bouchon. Il pousse, il pousse, il pousse. Ça sortait pas, quoi. Et puis, avec la pression sanguine, ça lui montait au cerveau. Et puis, il a fait un malaise, quoi. Il est tombé de son piédestal. Et puis, il s'est pris le carrelage de sa salle de bain, quoi. En découvrant même qu'il était gris, il savait pas. Bon, forcément, sa femme, elle a eu très peur, donc elle a appelé les secours, et puis bon, ils l'ont soigné à l'hôpital, quoi. Depuis, Denis, ça va beaucoup mieux, et puis bon, la bonne nouvelle, c'est que bon, il est toujours au chômage, et puis là, il s'est remis à s'occuper de sa mygale et son serpent, quoi, en espérant toujours que l'un finisse par bouffer l'autre, quoi. On a eu très peur parce qu'on a appris après par la suite que c'était un accident vasculaire cérébral, quoi, un AVC. Voilà. Donc c'est pour dire que voilà, ce genre de truc, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge. Donc voilà, faut faire gaffe, quoi. On a eu très peur, quoi. Pauvre Denis. Ça m'est chiotte.